dirais même 4 Belges. Parce qu'il y a Roger. Il y a Roger, c'est vrai. Production belge. Il n'y a que 4 solistes. Belge. Il y a 4 solistes et voilà. Nous sommes tous 4 Belges. Voilà. Et 4. Exactement. Wallon. Spécialement, le rôle de Nadir est un rôle très vocalement très léger et très compliqué parce qu'il faut avoir les voix mixtes, il faut avoir soit du falsetto, les voix mixtes appuyées. Donc pour moi c'est un défi parce qu'après Hoffmann, après Tosca, après Damnation de Faust, de reprendre ce rôle, j'avouerai sincèrement que c'est pas évident parce que la voix a complètement changé. Donc voilà toute la difficulté pour moi dans ce rôle. La foule. Elle s'ouvre un passage, son long voile, hélas, nous cache son visage. Moi, c'est la deuxième fois, à savoir la première fois, c'était en version concert. Et c'est vrai que de toute façon, ça reste aussi un défi parce que le premier acte est sensiblement différent des deux autres. Comme chez d'autres compositeurs ou dans d'autres rôles, parfois le premier acte est très léger et puis contraste avec la suite de l'œuvre qui est beaucoup plus intense et dramatique. Donc voilà, il faut essayer de trouver ses repères pour pouvoir faire une jolie composition. Ce répertoire, Les Pêcheurs de Perles, ça fait partie de la vie lyrique, évidemment. On connaît ça, tout le monde le connaît, tout le monde connaît le duo des Pêcheurs de Perles. Donc, quelque part, il y a un vrai challenge là-dessus. Et comme c'est une prise de rôle, quelque part, au début, quand j'avais commencé à travailler, je me suis dit, ça va aller, quoi, c'est comme n'importe quel répertoire français. Ben non, Bizet nous a quand même gâtés de ce côté-là. Et ce sont des rôles, parce qu'on peut dire ça pour tous les trois, ce sont quand même des rôles qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Bon, ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Justement, comme on disait, il n'y a que quatre rôles dedans, trois principaux. Et l'œuvre repose sur ces quatre rôles-là. Donc, quelque part, ça rend les rôles beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses, beaucoup plus lourds. Donc, il va falloir jongler avec ça, jouer avec des moments de pause, même quand on est en train de chanter, de faire attention non plus de ne pas trop en faire aussi pour pouvoir tenir le choc jusqu'à la fin. Si ton âme succombe au piège maudit de l'amour, parle-toi, c'est ton dernier jour. Certaines fois, c'est plus difficile de jouer avec des gens qu'on connaît parce que si on a déjà eu des crises de fou rire avec ces gens-là, rien va rallumer la flamme. Pourquoi tu me regardes? Arrête. Non, je te regarde parce que Roger n'est pas là. Ah oui, ben oui, quand Roger est là, automatiquement, c'est fou rire. Donc voilà, je ne vous dis pas, mais c'est vrai qu'il y a une scène. Je ne veux pas dévoiler pour ne pas amplifier le... Mais il y a une scène où avec Roger, j'ai un peu de mal à garder mon... J'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais fermé les yeux. Ah oui, non, oui, mais voilà. Bonne nuit, ton chanteur.
glissement au souvenir. Mais c'est quand même c'est un beau challenge. Et bon, ça fait plaisir de pouvoir quand même chanter les pêcheurs de perles en Belgique. Ça fait quand même, bon, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 20 ans qu'on ne l'a plus fait ici. Et ça doit faire encore plus longtemps dans les autres théâtres en Belgique. Donc le public va être exigeant, va être à l'attente de notre performance. Et bon, on attend la première avec impatience. Dans le ciel sans voile,